aussi, alors ça aussi, il faut le dire, parce que sous Stellarium, où j'ai expliqué où on voit écrit Aztèque, Biélorusse, de tout ce que j'ai montré, on voit marqué écrit Roumain. J'ai vu, hein, ils ont leur couronne d'épines. Ils ont le cochon, couronne d'épines, ils ont leur croix. Vous constatez que tout ça n'est pas normal, parce que couronne d'épines, j'avais montré sur ça, est liée à eux. C'est la malédiction 666 qui est là, de leur pute Jésus-Christ Allah. Et ce qui les trahit, c'est que à la représentation du Messie, donc on voit à Pegwat. Avez-vous remarqué que la couronne d'épines sur sa tête, mais la couronne d'épines démon, disparaît de sa tête que quand l'église s'écroule derrière lui. Avez-vous remarqué ça à la vidéo Pegwat? Mais tout ça vous trahit, les putes du Christ, les religieux du Christ. Que fout couronne d'épines sous Stellarium? Dieu n'est pas lié à couronne d'épines. Et c'est ça qui vous trahit. Et il y a 2 ans, même 3 ans de ça, j'avais montré sous couronne d'épines, souvenez-vous, qui est de Jésus-Christ Allah, qui est une malédiction. Vous vous souvenez de ça? Donc tout ça les contredit. Mais allons ici. Parce que là. Regardez, regardez bien. Là, on voit ça à Pegwat, à la vidéo Pegwat de Jésus-Christ Allah. Parce qu'il sait sur la fin et il sait la vérité sur le retour de Dieu Isis. Mais il faut comprendre. On voit, regardez, avec des mallettes. Regardez, les mallettes. Ils tiennent tous des mallettes à la main. Regardez. Aux mains, regardez. Mais là, il faut comprendre. On voit très bien que les politiciens s'habillent costume cravate. On voit cravate, costume cravate. Mais là, c'est ça qui vous trahit. Parce que ça définit que c'est toujours le même qui est là. C'est toujours Jésus-Christ Allah qui est là, mais sous plusieurs identités. C'est ça que ça définit. Et il fait croire que soi-disant qu'il est sage et que soi-disant qu'il est propre. Vous avez compris sur ça. Mais ce qui vous trahit, c'est que le Messie les explose. Éclate Jésus-Christ Allah et explose Jésus-Christ Allah qui est sous plusieurs identités et qui est toujours le même. Ça veut dire que c'est toujours le même qui est là. Mais qui s'habille en costume cravate. Regardez, regardez, on voit la mallette. Mais là, il faut comprendre. Il faut comprendre sur ça. C'est que votre pute Jésus-Christ Allah, la sale pute, le dinosaure, le diable. Il est contre le masculin de Dieu et il est contre le féminin de Dieu. Donc de l'autre côté, Jésus-Christ Allah, avec ses reptiliens, insulte les femmes, certaines femmes divines de Dieu, parce que eux, ils détestent les femmes divines de Dieu. Vous avez compris sur ça. Donc que dit Jésus-Christ Allah sur les femmes? Il dit, ce sont des putes et ce sont des salopes. Mais là, il faut comprendre qu'en réalité, que c'est leur pute Jésus-Christ Allah qui est la salope, qui est la sale pute. Hein. Puisqu'il est sous l'identité de Svitolina. Souvenez-vous que j'ai expliqué que Svitolina est l'identité Hécate. Et Hécate est la sorcière Jézabel. Et c'est Jésus-Christ Allah qui est là. La sale pute, la salope. Mais Roméo, on revient à Roméo. Roméo est lié à Dieu Isis. Et qui est du monde Horus. Donc, Roméo, qui est de Dieu Isis, brise votre pute, la salope Jésus-Christ Allah, qui est sous l'identité Svitolina. Vous avez compris sur ça. Donc, le faux féminin. Souvenez-vous que j'ai montré sur ça, que eux, les reptiliens, ils sont liés au faux féminin. Ils sont contre le féminin de Dieu et ils sont contre le masculin de Dieu. Mais il faut comprendre que votre Hécate, la sorcière Jézabel, a des envies et a des besoins sous l'identité Svitolina. Et avec Roméo, qui est de Dieu Isis. Donc, c'est quoi que vous racontez? Ah, c'est qui la salope et la pute, hein? C'est votre sale pute Jésus-Christ Allah qui est la salope. Hein? Vous avez compris? Et là, on constate que Roméo de Dieu Isis est avec Svitolina, qui est Hécate Jézabel. Mais là, on voit que Jésus-Christ Allah, là, on voit, n'est pas Juliette. Vous avez compris? N'est pas Juliette. Hein? Mais il y a de quoi rire, puisque de l'autre côté, puisque Roméo est lié à Dieu Isis. Hein? Et du monde Horus, de l'autre côté, Svitolina et Jézabel, la sorcière. Mais là, ça vous trahit?
Les religieux du Christ, les reptiliens. Parce que vous insultez les femmes, vous avez la haine contre les femmes, et on constate que vous êtes sous plusieurs, sous d'autres identités, mais vous êtes sous le faux féminin. Le faux féminin. Donc tout ça vous trahit, les salopes, les saloputes. Oh, c'est quoi que vous racontez? Et très crainte, votre fin fatale est là. Vous avez compris sur ça. Donc, regardez. Ça veut dire que c'est toujours le même qui est là. Et qui est sous plusieurs identités. Vous avez compris sur ça. Regardez. On voit les mêmes têtes. Vous le constatez. Vous le constatez vous-même. Que fou, couronne d'épines. Astellarium. Que fou, couronne d'épines. Et que je vais montrer la preuve absolue qu'ils ont mis, couronne d'épines, mais contre le Messie. Ils ont porté des malédictions contre le Messie. Souvenez-vous que j'ai montré la preuve sur ça. Donc tout ça vous trahit. Donc votre salope Jézabel, qui est Vitolina, qui est Hécate, la sorcière Hécate, est finie, est terminée. Parce que Roméo, fait sa fin, qui est Gaël. Au tennis, Gaël. Et on a constaté qu'ils ont copié sur certains gestes qui se font dans le monde de Dieu. Comme lever le doigt, comme on voit à l'islam. Ça, c'est Dieu qui fait ça aussi. Vous avez compris? Et ils ont copié, mais quand ils copient, c'est-à-dire qu'ils maudissent les gestes de Dieu. C'est comme Gaël, mon fils, qu'on voit là, au tennis, qu'il fait. Ça se fait au monde de Dieu, les gestes qu'il fait. Vous avez vu que quand il termine le match, et on a constaté que Pharaon lié à eux, fait les gestes comme ça. Avez-vous remarqué sur les statues? Parce qu'ils sont jaloux de Dieu. Ils maudissent les gestes divins qui se font dans le monde de Dieu. Vous avez compris sur ça. Et très content. Gaël vous brise, les saloputes. Brise votre salope, la pute. Vous avez compris, Jésus-Christ Allah. Et très content.